Entre hommes. Oh là là, mais j'ai marre de ce but et ce boom alors.
m'entendre. Oh, laisse. T'as pas peine à jouer à ce qu'il paraît. Grande nouvelle. Le général Fritz sera reçu ici dans une heure en grande cérémonie. Il est vainqueur. Oh, Fritz. C'est son Altesse qui est follement heureuse. Oui, bah épargnez-nous nos beaux commentaires et introduisez le baron Grog. Baron. Allez, allez, allez. Messieurs. Allez, baron, soyez chaud, hein. Comptez sur moi. Je veux dire, soyez bon. Enfin. Enfin. Voyons, monsieur, un peu de tenue. Vous ne pouvez pas vous figurer comme je suis ému. Elle consent à recevoir le baron Grog. Je nous vois déjà mariés. Qu'elle est belle à mon bras. Enfin, voyons, prince, faut-il que vous soyez fou pour imaginer que le jour où le général Fritz revient et revient vainqueur, la grande duchesse pourrait penser à autre chose que de se préparer à le recevoir. Enfin, voyons. Je voulais dire que... Mais oui, il sera ici tout à l'heure et il triomphera. Eh bien, qu'il triomphe. Mais après... Oh, après. Oh, rien, rien. Je rien. Je crois comprendre. Ah, oh, l'ennemi! C'est l'ennemi, ça y est, c'est l'ennemi! C'est l'ennemi! Non, ce n'est pas l'ennemi. C'est notre ennemi! C'est le général Fritz! Et il est en avance! Oui, bah excusez-moi, mais ça fait 15 jours que je ne fais rien, alors j'ai la nostalgie de la guerre, moi! Après la victoire, voici revenir nos soldats. Je ne fais de bon.
Voici ce qu'a dit mon
Ne tardera pas, 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 ne tardera pas,
rugissement, n'est-ce pas? Eh, pas grave, hein. Si fait. Nous sommes perdus. Sauf qu'il peut. Ne craignez rien. Vous êtes en train de conspirer contre le général Fritz. Eh bien, je suis des vôtres. Quoi, bonheur? Savez-vous ce qu'il vient de faire, le général Fritz? Il vient de m'envoyer demander la permission d'épouser Vanda. Madame, il a osé vous porter cet affront? Je m'en vais de ce pas le provoquer en duel afin de laver votre honneur. N'en faites rien, prince, vous risqueriez de vous blesser, votre père ne me le pardonnerait. Non. Pour l'instant, le général est à la chapelle. D'accord. Et tout à l'heure, il ira. Il ira. Là où vous serez pour l'attendre. Dans le pavillon de la droite. Dans le pavillon de la droite. Plongeons le ton, et dès ce soir, dans la chambre au fond des couloirs, plongeons le ton, se mire les flancs, la barre au fond des corridors. Plongeons le ton, se mire les flancs, la barre au fond des corridors. Plongeons le ton, se mire les flancs, la barre au fond des corridors. Coup de foudre à notre humilité.
Berthe. Miss Grant. Et c'est bien ? La plus belle déclaration d'amour du cinéma. Je suis aussi une femme qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer. Ah, je suis très fâchée contre toi. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Tu m'as promis un monde où tout le monde m'aime et rien à faire, ce Fritz ne m'aime pas. Bah, au contraire, après tout ce que tu as fait pour lui, tu crois qu'il t'apprécie beaucoup ? Oh, oui, il m'apprécie, certes, mais il ne m'aime pas. C'est quoi la différence ? Comment ça, c'est quoi la différence ? Moi, je voudrais qu'il m'aime comme ton papa et ta maman. Ah, comme le prince Paul, il t'aime toi. Voilà. Ah bah, il t'aime pas comme ça, je te prie de m'excuser. Je t'en foutrais des excuses. Mais pourquoi t'épouses pas le prince Paul? Il est gentil. Parce que je pense qu'il préfère ma situation à moi. Bah, en tout cas, je crois qu'il t'aime plus que mon papa et ma maman. Parce que mon père, il fait que se disputer avec ma mère, crier... Oh, bon, bah, c'est très triste, mais c'est pas le mot, hein. Où sont vos complices, génial? Ils attendent ta vie dans l'ombre. Alors, toi, tu files, je ne veux pas que tu vois ce qui va suivre. Génial, allez les chercher. Moi, je vais me tenir derrière cette draperie. Pardonnez-moi, Altesse. Je vous ai caché là afin de vous faire être reconnu lors de ces assassinats. On va aller vous changer. Allez les chercher. Mais surtout ne dites rien. Au dernier moment, si je juge convenable, je vous montrerai. Allez, et tâchez de mener ça en rondement. Vous inquiétez pas, Altesse. Prince, prince, où sont les autres? Ils viendront quand il en sera temps. Si nous étions arrivés tous ensemble, cette fugue générale lui inspirait des soupçons. Très juste. Ah, madame, vous êtes les nôtres. Oui, je n'apprécie guère l'effet que ce jeune homme a sur son Altesse. Ah, qu'il dit-vous? Autour de lui, elle n'a pas l'attitude d'une femme convenable. Ah, monsieur le baron, vous en êtes aussi. Messieurs, monsieur le baron... J'ai fait aussi vite que possible. Ah, ah, monsieur le baron, vous savez de quoi il s'agit? Tout à fait, il ne s'agit que de tuer un homme. Hein. Alors, c'est ici la chambre? C'est le lit qui vous a mis sur la piste. Monsieur, je ne vous permets pas de vous moquer de moi. Altesse. Oui, j'étais là, tapis dans l'ombre, prête à surgir pour exciter votre courage s'il en était besoin. Mais je vois que les esprits sont déjà chauds. Qu'ils viennent, et vous verrez, je le couperai en quatre, moi. Ah, une prière, messieurs. Oui. Vos souhaits sont des ordres. Ce que je vous recommande avant tout, c'est, en le frappant, de ne pas le frapper au visage. Oh, quel dommage cela serait. Qui dit ça? C'est moi. Qui ça, vous? C'est mon Grog. Votre Grog? Le baron Grog, l'envoyé de papa. Celui que vous n'avez pas voulu recevoir. Oh, j'ai tort. Bon, messieurs, allez placer vos hommes et revenez quand vous les aurez placés. Très bien. Vous, Grog, restez. Ah. Oui, bah quoi, vous ne m'aviez pas demandé une audience? Eh bien, cette audience, je vous l'accorde maintenant. Allez, Grog, ne soyez pas plus. Laissez-moi d'abord me féliciter d'avoir pour ami un homme tel que vous. À moi, oui. Sans doute, n'êtes-vous pas au nombre de ceux qui doivent me venger? Votre Altesse s'obstine à vouloir me recevoir. Ça m'ennuyait de ne rien faire, j'ai conspiré un peu pour me distraire. Pour vous distraire? Oui, cela m'amuse beaucoup. J'adore votre genre de conversation. Vous dites des choses à faire sauter et votre visage ne blanchit. Et quand j'étais tout petit, toutes les fois où l'on m'attrapait à ne pas avoir l'air froid, on flanquait les coups. Bon, bon. Voulez-vous me permettre de vous donner un petit conseil? Avec plaisir. Tout à l'heure, quand il faudra
frapper sur le général Fritz. Ne vous mettez pas en avant. Vous risqueriez d'attraper une balafre qui défigurerait votre beau visage. Quel dommage cela serait. Je suis si beau. Et si nous parlons de mon prince? Oups. Vous voulez bien, baron? Qu'est-ce que vous êtes là-bas à la cour de votre maître? Chambellan? Colonel. Vous pourriez avoir beaucoup mieux que ça à ma cour, hein, si vous vouliez quitter le service de l'électeur. Malheureusement pour moi, c'est impossible. Impossible? Sans doute. À moins que votre Altesse ne consente à épouser mon prince. Il serait alors possible de faire des... Oh, mes compliments, baron. Vous êtes un fameux diplomate. Oh. Je vous en supplie, Altesse. Épousez mon prince. Je vous assure que c'est un brave homme. Un fameux diplomate, y a pas à dire. Alors, c'est un oui? Mais je sais pas quoi vous dire, moi. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Oh, le grand Fritz, c'est trop d'amour pour un si petit cœur. Altesse! Qu'est-ce? Alors, t'es bien? Ça marche. Ah, vous avez placé vos hommes? Oui, 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 c'est en cours, là. Bon, bah, allez les trouver de rechef et dites-leur qu'ils peuvent rentrer chez eux. Comment? On ne frappera pas. Bah, bah ça, par exemple! Qu'est-ce que vous dites? Je ne dis rien, parce que votre Altesse est là. Mais si votre Altesse n'était pas là, je dirais que ça commence à bien faire à la fin! Vous oubliez, ce sang! Mais là, mais tout était prêt, là! Tout était organisé, et puis bataboum, là, vous venez nous dire que non! Non! C'est vrai, ça, c'est très très désagréable. On se donne du mal et... Toute la peine était prise! Il ne restait plus que le plaisir! J'ai dit qu'on ne frapperait pas. Le jour où je me marie, ce ne serait pas comme ça. Le jour où vous vous mariez? Vous l'avez dit, ma chère! Vous l'avez dit! Oui, vous pouvez remercier le baron Grog, je n'ai pas pu résister à son éloquence. Le baron? Non mais c'est incroyable ça! Il m'aura tout fait ce Fritz! Il m'aura pris le panache qui faisait mon honneur, il m'aura pris une femme qui aurait fait mon bonheur et je pourrais même pas me venger! Ah non alors! Adieu la compagnie, moi je joue plus! Au revoir, adieu! Fritz! Oh, mais cessez de faire l'enfant! Et vengez-vous si ça vous plaît! Ah bah alors! Ah! On vous l'amène, vous trouvez quelque chose. Prince Paul. Mon amour. Dans 2 heures, à la chapelle, soyez exact. Quant à moi, je vais choisir parmi la quarantaine de toilettes que j'avais prévu de mettre pour vous épouser. Dieu vous garde, messieurs. Non, je tiens ma fantaisie. Nous allons lui organiser une petite nuit de noces. Sortez, merci, allez-vous-en. Allez, dehors! Colin?
Il fait très très noir quand même. Attends, j'ai une solution. Bah quoi, je t'ai ébloui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le sable de son père. Ah, je t'ai ébloui, je te fais peur. Non, non, pas du tout, mais je... Si, si, attends, mais si je retire le panache, hein? Ne suis-je pas ton fils adoré? Si. Thank you.
Thank you.
combattants, ça commence à bien faire. Deuxième couplet. J'arrive et je trouve un mari qui me dit venez par ici. Je lui réponds d'un ton poli, me voici aussitôt à Tarascon. Le prêtre attend de survivre, j'en suis encore tout étourdi. Mon père, j'ai perdu le combat.
panache. Enfin, mes enfants, je vais vous revoir. Thank you.
Thank you.